Eh bien bonjour. Alors j'ai eu un petit problème de sauvegarde. Je ne sais pas ce qui s'est passé. D'habitude je marque que pour continuer le jeu, ben, je continue le jeu. Et là il m'a fait un plantage. Je me retrouve donc à un moment où j'avais déjà donc créé tout ça et qu'il me manquait de l'eau et que vraiment j'avais fait mon réservoir ici, enfin mon extracteur d'eau. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc par exemple là il me manque des serres à légumes. Donc on va reprendre d'ici 28 colons, deux robots porteurs, les éoliennes qui tournent à fond les ballons, tout ça, bon c'est bien. On va repartir sur le menu ici. Donc deux médicaments, papier détaché, ok. Plus d'amidon, ok, bon. Donc on va repartir donc à refaire ce réservoir d'eau ici en grand. Parce que, comme c'est du grand tout ça, je peux venir essayer d'imbriquer un petit peu plus pour avoir plus de place. Parce que là, c'est vrai que j'ai pris. On va le mettre ici comme ça. Est-ce que le troisième va marcher? Ah oui. Donc je vais pas le relier pour l'instant, c'est au cas où. Donc là, ça m'embête parce qu'il va falloir recommencer certaines choses qu'on a faites. Donc ça c'est créé, c'est bon. Donc là il faut que je remette de la serre. Ici j'avais du blé ou du maïs ou du riz, je sais plus. Je leur avais mis quelque chose pour diversifier un petit peu. Du riz je crois, ouais voilà. Non, c'était ouais, c'était ça. Donc c'est pareil, je vais essayer de leur remettre des plantes pour faire un petit peu plus des radis. À moins que ça en soit ça des radis. Oui, serre à radis, champignons, pommes de terre, ça fera de l'amidon un peu plus. Laitue, ok. Pois, ouais, ça les pois ils en ont. Tomate, et derrière, c'est. Je vais pas arriver à l'avoir. Donc, qu'est-ce que je vais leur mettre? Corps du riz, du blé, peut-être du maïs. Voilà. Donc, on refait une partie du jeu, je comprends pas ce qui s'est passé, là il me manque des choses. Bon, tant pis, j'étais persuadé d'avoir fait mon réservoir d'eau la dernière fois, donc j'ai pas l'air d'avoir trop perdu de choses, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ou c'était soit je reprends d'ici et tant pis, on perd un peu d'avancement. Je pense qu'il y a eu une autosave quand même, parce que j'ai pas tout perdu. Donc de toute façon le problème est toujours le même, il faut que j'arrive à m'étendre au niveau de l'usine ici, que je puisse avoir ici 4 machines qui feront que de l'acier. Et ici, je vais peut-être transformer mon usine de robots ici, je vais peut-être la transférer ici. Et ici, je vais faire une autre usine comme celle-ci, mais qui aura que de l'amidon qui viendra d'ici. Ou d'ici. J'aurais dû penser à ça plus tôt. Donc là, il me prépare quand même un robot porteur. Bon allez, on accélère un peu tout ça. Ça m'embête un peu d'avoir perdu un peu de temps. Mais c'est pas grave. Donc ici, que peut-on leur mettre en plus? Ben, on va peut-être pas leur mettre grand-chose. Ah. Petit coup de vitesse 1, qui c'est qui nous arrive? Donc là j'avais demandé du biologiste, d'accord. Oui, donc j'aurais demandé du biologiste parce que oui, j'augmentais ici en capacité. Donc il faut que je me remette un peu dans la chose. Donc là maintenant ce qu'il me fallait, ce serait de l'ingénieur pour faire tourner les machines. Avec un peu d'ouvriers. Toujours un tout petit peu de biologie. Les médecins, je ne dois en avoir assez. Donc je disais, en termes de navires marchands, je ne vais pas les appeler parce que je ne voudrais pas me mettre mal en vendant de la nourriture, parce que je ne peux vendre que ça. Je ne produis pas encore assez d'acier pour produire du composant silicium, enfin pour pouvoir le vendre.
que ça rapporte énormément. Donc on va essayer de se maintenir comme ceci. Alors, c'est ça qu'il faudrait que je change toute cette partie-là. Donc si je supprime un panneau solaire ici, il faut que j'en fasse un autre ailleurs. Avant de faire quoi que ce soit, il faut faire un autre panneau solaire ailleurs. Oui, parce que j'avais fait des tests en plus ici de plateforme pour... Donc on va recommencer pour essayer d'aplanir le sol, pour essayer de... Voilà comment j'aplanis le sol, j'essaye de placer des petites... Alors ça, c'est des petites plateformes de jonction, si jamais vous pouvez pas, voyez... Donc là, on va essayer de poser une plateforme ici pour... Là, pour la recycle. Et toujours pareil, en essayant d'en poser une, voyez, pour aplanir, mais... On va pas pouvoir aller bien loin comme ça, je vais pas pouvoir en mettre... Parce que là, si on en met une, on fera une jonction comme ça veut dire que si une météorite tombe dessus, toute la partie qui sera ici ne servira à rien. Donc il faut pas que ce soit des... Par exemple, faut pas que ce soit des batteries. Au contraire, faut que ce soit des capteurs solaires ou des éoliennes. Que ce soit les batteries justement qui puissent, voyez, communiquer entre elles. Bientôt je les relierai ici, je pense. Ah, un impact sur une structure. Voilà, donc là on a eu un impact sur la structure. Super, encore une. Donc va falloir réparer les gars. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la jonction n'est toujours pas établie ici. Parce que je pense que je vais changer tout ce bloc. Je pense que je vais essayer de changer tout ce bloc. Donc, en termes de nourriture, ça va toujours. 23 repas. Et ça se maintient dans les machines. Voilà, il y a du repas. Alors là, il n'y a que du repas, c'est nickel. Simple, simple, simple. Salade, salade. J'aimerais bien qu'il me fasse autre chose quand même. Deux médicaments, deux pièces détachées, deux crédits, et puis au plastique, c'est pas beaucoup. Donc voilà, là j'ai mon troisième extracteur d'eau, impeccable. Donc on va essayer donc de mettre ici, j'ai combien d'acier? Deux disponibles. Ah, mais si je mets un capteur solaire, ici j'en mets un gros, ça fait 7. Donc là, hop, vous voyez, ça a bien terraformé un peu la chose. On va essayer encore de recommencer. Voilà, mais ouais, non, là il va. Je peux pas le mettre ailleurs. Ou alors il faut que je le mette avec une plaque de jonction. 7, c'est beaucoup trop d'acier là. C'est beaucoup trop d'acier. De toute façon, là, il me faut de la pièce détachée. Donc pour la pièce détachée. C'est des ingénieurs ici et donc il me faut de l'acier et du bioplastique. J'ai du bioplastique. J'ai de l'acier. Ah. Il n'aurait pas pu me mettre l'acier dans celle-là, non? Là, voilà, elle est prête, celle-là. Il n'y a personne pour travailler. Si, ça y est, tu viens. Ok. Donc, on va vérifier notre prestige, hein, savoir si on peut recevoir quand même des colons. Donc, on est bon. Donc c'est toujours, j'ai pas d'armes, j'en ai semi-conducteur, j'en ai un. Oui, donc j'en ai un, d'accord. Qui est en train de se fabriquer. Là. Bonjour, qui c'est qu'on a? Qui c'est qui vient? On va aller voir de plus près, tiens. Deux ingénieurs. Ah bah là ça me fait plaisir. Deux ingénieurs, ça va pouvoir faire tourner les machines là. Donc là tout de suite, on va partir sur du 80% d'ouvriers. 10%, 10%, pas de médecin. Là, parce qu'il faut que... Parce que voilà, la mine là, donc là il y a... Une machine, deux machines, quatre machines, donc là il m'a fait de l'acier. Les ouvriers ils vont porter parce que le robot porteur c'est pareil, ben, il me faut trois composants, là. Il me faut acier, bioplastique et semi-conducteur.
C'est pas rigolo quoi. Donc allez, hop, on réaccélère un peu le temps. Donc là, je retrouve mon. Bon, je pense que j'ai pas trop perdu, ça va. En termes de nourriture, ça va, ça augmente. On va quand même construire ici un autre. Pour faire de la nourriture. Donc j'ai deux fontaines à eau ici. Direct quand il sort, quand il rentre. Est-ce qu'on a la possibilité d'en caser une ici derrière? Ah oui. Ah. Il y a quand même une sacrée organisation à faire en fait. Vous voyez, une, deux, trois, quatre, cinq, six places. Là j'ai une, deux, trois, quatre places seulement. Donc en fait là ici, on va recycler celle-ci. On va recycler celle-ci. Et on va mettre des machines à faire de la nourriture. Et ici, vous voyez, on peut y mettre une petite fontaine à eau cachée derrière. Donc en termes, ça fait pas mal de nourriture ici. Et là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 places. Là, j'ai que 4 places. Donc là, pareil, je vais recycler celle-ci. Et je vais mettre que des petites tables en fait. Alors, si j'appuie sur Shift, je pourrais créer les tables à la volée. Ah, par contre, ouais, faut que je recycle la plante pour pouvoir mettre la petite table ici et donc la plante ici. Voilà. Donc en termes d'eau, ils en ont deux. Termes de plantes, ils en ont deux aussi. Deux sources d'eau, est-ce qu'on peut en caser ailleurs? Et non, là c'est vraiment le maxi. Deux fontaines à eau, je pense qu'ils en ont assez. Parce qu'il y en a quand même deux ici, trois ici donc. Ah, qui c'est qui arrive? Bonjour. Un ouvrier. Ça vient doucement mais sûrement. Donc voilà, maintenant je suis à 38 repas. Parce que les machines là sont pleines. Voilà. C'est ce qui me permet de. C'est les machines à repas en fait qui permet d'augmenter la capacité de repas. Vous voyez, tout ça c'est organisé un peu droit, hein, excuserez. Hein. Donc là je vais certainement virer la chambre et là et la mettre en fait ici en T. Pour pouvoir l'enlever. Alors voyons voir un peu si on peut se faire du terraforming. Une sorte de petit terraforming par ici. Voilà, attendez, on va essayer. Voilà. C'est pas orthodoxe, hein. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps qu'on pouvait. Si j'essaye de. Voilà. Tac, tac, donc tac. Voilà, tac, hop, on l'enlève, on recommence l'opération. Cette fois-ci, il y en a un plus grand qui tient. Est-ce que, voilà, faut arriver à trouver la structure à chaque fois. Hop. Alors, je sais pas si je vais pouvoir retirer entièrement la bosse. Hein. Je pense pas. Est-ce qu'avec les éoliennes, ça fait pareil? Qu'est-ce qu'elles sont beaucoup plus grosses? Non, tac. Ah, ici, si je mets ça là. Et je dis, je suis en train de quand même d'enlever une bonne partie. Je pense pas pouvoir l'enlever complètement. Ce serait bien, franchement, ce serait très très bien. Est-ce qu'avec un bâtiment, ça marche aussi? D'accord, ça marche aussi. Mais pour l'instant, le mieux, c'est d'utiliser quand même le panneau solaire, je trouve. Voilà. J'y vais par petits bouts, mais j'y vais quand même. C'est fastidieux à faire, mais voyez là. Et si j'arrive à les lier. Ah non, ça n'aplatit pas. D'accord, hop, on recycle parce que je ne savais pas qu'il y en a un qui sorte qui m'amène du matos. Donc, ouais, là, il m'a mis un câble. Qu'est-ce qui est obligatoirement un tunnel? Ah, attendez. Justement, une chambre. Non, pas une chambre. Un réservoir d'eau CO2 par exemple.
si j'arrive à le passer ici et que je le relie à ça, que je le relie à ça, voilà. Un petit bout d'aplani encore. Alors là, on va le faire comme ceci. Voilà. Ah, je vais quand même arriver à planir ma zone. Hein. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour essayer d'ici, ici, là comme ça, mettre la chambrée. Voire même la connecter à ça là. Si je peux, mais ça va me faire sauter mes machines. Ouais. Faut que je fasse gaffe. Vous voyez là déjà, on a déjà terraformé une bonne partie quand même. Je sais que c'est pas très très intéressant pour vous, mais moi ça va m'aider énormément à... Alors, je sais pas si le jeu est prévu pour faire ça, mais moi j'aime bien. Voilà, j'ai arrivé à supprimer entièrement la bosse. On va voir un peu si on peut davantage supprimer par là. Voilà. Donc ça c'est une petite astuce du jeu. Alors je sais pas du tout s'il l'avait prévu dans le jeu. Vous voyez maintenant je peux venir mettre pas mal de choses. Je peux même venir mettre ici. Je vais pouvoir mettre ici. Donc ici comme ceci. Je vais pouvoir mettre quelque chose. Alors, ressources médicaments. Ah oui d'accord, bah, ça commence. Ça commence. Vous avez l'habitude avec moi, il n'y a plus jamais de médicaments. Alors. On va essayer quand même de mettre une petite plateforme par ici pour voir si on peut aplanir les dernières choses. Non, on peut pas. Ah, bonjour, qui c'est qu'il y a? Ah bah je suis en vitesse 1. Ah bah oui. Alors, on nous avons demandé de l'ingénieur. Ah, non, j'ai un biologiste. Ah non, un ouvrier. Un ouvrier et un ingénieur. J'ai 35 repas, c'est bon. Ça commence à augmenter, c'est parfait. Donc, ça m'embêterait quand même de mettre la chambre ici. Ce serait dommage. Parce que, qu'est-ce qui irait bien ici? Le bar. Le bar, parce que... Ouais, mais le bar, il me permet de partir aussi par là. Que si je me mets là, la chambre, je peux mettre la grande chambre. Je peux mettre la grande chambrée. Et je vais pouvoir démolir l'autre là-haut. Il faut 4 d'acier. Il faut que je remplace tous les lits. Ça m'embête parce que... C'est pareil, vous voyez, si... Pas mettre de chambrée ici, c'est dommage, on pourrait la mettre là parce que là ça sert à rien. Par ici on pourrait se mettre ici les chambres, pareil ici je pourrais les mettre là, ça bloquerait pas, mais il faudrait qu'ils sortent pour aller dormir, peu pratique hein. Et par contre là, hop, ça c'était pour aplanir. Voilà, par exemple ici ça, je peux, ça servirait à rien de mettre une chambrée de près des machines, je trouve ça un peu embêtant. De toute façon il va falloir que je la fasse hein, cette chambre hein. À travers le stock, si, c'est pas mal parce qu'en fait elles sont alimentées en oxygène. Après je repars par ici en quadrillage, tac tac tac, lui fait les liaisons. Bon, allez, alors viens voir un peu ce qu'on a. Si 4 0, puis la grande on peut la mettre ou pas? Allez, allons-y, de toute façon et ça me plaît pas ici, faut que je déménage. Donc ce qu'on va faire, on va recycler du lit. Voilà, on va recycler un peu de lit, pas trop non plus quand même. Allez, on prend le risque de recycler ça comme ça. Alors le problème c'est que là, vous voyez, il faut qu'il fasse, pour venir ici, il faut qu'il fasse entièrement le tour par là. Ça leur fait pas mal de chemin.
Vérifions un truc. Petite plaque de liaison par ici pour venir. Non. Donc là, ok, ça marche. Ok, donc là, je pense pas qu'on puisse faire du terraforming pendant 2 heures hein, quand même. Passer ici, ce serait sympa. Hein. Là, je déblaye tout ça. Je pourrais faire tac, tac. Je pourrais peut-être venir ici. On va voir. On va voir si on peut venir par ici. Donc là, c'est clair qu'on va mettre quelque chose en face, ici, pour partir en ligne droite comme ça. Donc on accélère le temps cette fois-ci. Allez. Donc, je prévois donc de détruire ceci. Ah, j'accélère le temps et il y a des gens qui arrivent. J'aime bien savoir qui c'est qui arrive. Ce que je note pas en fait. Ah, bah là, c'est de l'ouvrier là. Là. Ah là c'est de l'ouvrier à fond. 3 ouvriers. Là, si mes machines tournent pas à plein régime avec 3 ouvriers plus ici des ouvriers. Donc en parlant de ça, justement, ce qu'on va faire, c'est une fois-ci demander de l'ingénieur beaucoup plus. Peut-être pas comme un. Voilà, on va refaire. Voilà. Voilà. Donc 6 pièces détachées, ok. La machine là, elle tourne. Enfin, elle tourne, oui, elle est en marche. Donc voilà, il continue. Ah bah, en bioplastique, j'en avais quand même un peu quand même. Ah bah oui, j'ai détruit les lits, c'est pour ça. Donc après, on détruira ceci. Ah mais c'est mon gros entrepôt qui m'embête aussi. J'ai quand même pas détruit mon gros entrepôt, ce serait. Parce que vous voyez, j'aime bien cette architecture-là. Dans Planète Base, l'architecture comme ça, c'est-à-dire que s'il y a une météorite qui tombe ici, la circulation se fait toujours. Que là, la circulation se fait pas, parce que déjà, il n'arrive pas à construire ici, parce qu'il reste bloqué là. Et puis celui-ci, il est mal placé, quoi. En étoile comme ça veut dire qu'il n'y a que 3 branches. Donc si, en plus, là, si ça tombe ici, ça veut dire que toute cette partie-là est isolée. Bon, il y a du courant, mais isolée en oxygène, puisque le générateur est ici. Donc à terme, je pense que je vais détruire tout ça. Je vais transférer tout ça de l'autre côté. Ou alors. On garde l'usine, mais on détruit ça ici. Je détruis ça ici. Non, je peux pas détruire celui-là. On va voir. On va attendre qu'il me construise mes petites chambres là. Là, il a tout, il va me construire ça tranquillement. Je vais remettre les lits rapidement dedans. Donc là, on va prendre le risque, tant pis, allez. On recycle. Il y en a qui voulaient aller dormir. Ah, c'est dommage. Dès que j'ai la possibilité, je crée des lits ici. Donc on peut en mettre 12 places. J'ai 28 colons, 12 places. Ah, c'est pas la même. C'est même pas la moitié, donc ça. Donc là, c'est pas grave s'il construit ici, il peut faire le tour. Il peut sortir, il peut même faire le tour par là s'il veut, je pense, pour revenir. Hein? Et là, c'est des grosses structures, hein. C'est pas les maxi, parce qu'on peut avoir aussi acheté un brevet de maxi. Donc voilà, ça se remplit. On va commencer à mettre des lits. Donc là, dès que ça. Voilà, tac. 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 Alors c'est un petit jeu, hein, vous voyez, c'est dès que ça s'allume, hop, ça s'éteint. Voilà. J'en ai remis 4. 4, donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hop, et tout à l'heure, je mettais donc. Ah, c'était peut-être pas une grande en fait ici. Donc là, hop, on va recycler les lits.
Ouais, mais j'ai dû fatiguer, donc je vais attendre. Allez, on accélère. J'ai dû fatiguer, donc on va attendre. Il faut qu'ils puissent dormir. Autrement, ils vont dormir. Hop, attention, à chaque fois que j'accélère, il y a un vaisseau qui arrive et j'aime bien savoir. Je suis curieux. Un ingénieur. Alors, ce qu'on va faire pour l'instant, on va stopper la plateforme et on va mettre à fond les ballons pour qu'ils viennent me construire les lits. Voilà. Au fur et à mesure qu'il va me les construire, je vais quand même pouvoir recycler ceci. Ah, ils veulent toujours aller se coucher quand même, hein, parce qu'il n'y a pas assez de lits encore. Ou c'est trop loin. Faudra quand même que j'en mette une chambre quelque part par là. Hein. Mais c'est pas une grande en fait, celle-là c'est une taille moyenne. Hein. Oui, d'accord. Et ça c'est une grande. Ouais, donc là il y a beaucoup plus de place. Donc on va continuer à mettre des lits. Pour qu'ils aient suffisamment de place. Ouais, donc là le dernier je peux pas le mettre. Ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 à la place de 12. Alors là on va leur dire que c'est fermé. Allez, debout les gars. Voilà. Hop, recyclage. Oui, recyclage. Oui. Ou alors je laisse l'infirmerie encastrée comme ceci. Et ici je mets autre chose. Je mets une usine, un truc que je vais pouvoir lier ici. Ou un biodôme. Parce que les usines. Ouais, ou alors si une usine mais de bioplastique. Dommage qu'on peut pas la transformer, il va falloir que je la détruise. Donc, vous voyez, pour empêcher les gens de rentrer dedans, il suffit de. Bah, la désactiver comme pour les usines, comme pour voilà, ici on peut désactiver aussi. Pauvre tac, ils sont pas contents là. Bon, alors structure terminée, d'accord. Donc là ils me font des lits impeccables. Donc là c'est un coin perdu, mais c'est pas très grave. De toute façon je pense pas que je pouvais mettre grand chose, à moins que je puisse mettre une petite éolienne. Non, ouais, je peux rien faire, on peut rien mettre dans les carrés qu'on a fait, c'est bête. Tac, tac, voilà, on peut partir par là. Donc là on peut partir en structure carrée, voire même en structure étoile. Là, on peut partir en carré. Donc ah, il veut bien se lier à ça, le c'est bizarre. Normalement on peut pas se lier à ça. Ah oui, il me propose une liaison. Normalement il propose la liaison. Ouais, d'accord, c'est pas grave. Donc ça, comme en quoi je vais le transformer en usine à bioplastique? Parce que là, ils amènent l'amidon, ils l'amènent ici, ils l'amènent là et posent les bioplastiques. L'amidon, ils peuvent venir la chercher ici. Ça peut être intéressant et laisser celle-ci en usine. Ah ouais, mais moi, je voulais détruire ça, quoi. Je voulais détruire ça pour pouvoir repartir droit. Je voulais aussi détruire ça. Et ça, c'est une structure T, ça veut dire que elle bloque quelque part. Donc. Donc en termes de nourriture, ça va toujours bien. En termes de médicaments, ça va pas trop bien. En termes de pièces détachées, ça va mieux. Donc je pense qu'on s'en est. Donc là, la tempête est finie, j'attendais parce que je voulais pas les faire sortir. Je recycle. Oui, voilà. Donc, si je mets quelque chose ici, qu'est-ce que ça peut être? L'usine de bioplastique me paraît la mieux. Donc, ce serait une usine comme celle-ci. N'importe quoi. Oh, je fais n'importe quoi. Et je recommence. Et je recommence. Hein. C'est ici, et c'est une usine comme ceci. Là, il n'y aura pas.
Oui, d'accord. Donc là, il veut pas me la mettre parce que. Ok. Ouais, parce que je peux venir ici. Là, si je peux venir ici, ça va aplanir. Ok. Peut-être que je pourrais faire la liaison ici. Mais là, faut que j'attende qu'il vienne me les chercher, ça. Que s'il vient pas me les chercher, alors là, vous allez voir, ça se détériore dehors. Donc, ça, c'est en excellent état. Donc. Là, ils vont venir me les mettre dans le stock ou les mettre quand ils en ont besoin. Faut qu'ils se dépêchent. Donc là, on va partir ici. Je pense qu'on peut mettre une structure ici. On va peut-être pouvoir mettre l'infirmerie ici. Qu'est-ce que je vais mettre comme structure ici? Bonne question. Donc, c'est posé ça. Donc, tac, tac. Usine. Ah ouais, je peux l'allier même entre les deux, quoi. Ah, je peux mettre une petite. Ah, je sais pas ce que je vais faire. Parce que là, si je mets 4 usines de bioplastique, c'est-à-dire qu'ils m'amènent de l'amidon d'ici à ici à ici, ouais, ça paraît pas trop mal. Alors, en espérant qu'ils vont pas se faire coincer par le truc, quoi. Donc, vous voyez, sauvegarde automatique. J'espère que cette fois-ci, je vais pas la perdre. Donc, je mettrai 4 usines, 4 machines de bioplastique ici. Donc je vais garder ma cuisine, ma petite cuisine ici en fait. Ouais. Ah. Non, 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 non. Non, non, non. Ce qu'on va faire pour l'instant. Attendez les gars. Attendez. Attendez. On va... ici, on va construire quelque chose pour mettre la pharmacie. Je vais... Si je vire ça, que je peux en mettre une plus grande. Plus grande cuisine, ça m'arrangerait. Celle-ci est sous-exploitée pour l'instant, mais permet quand même de maintenir les repas. 12 pièces détachées, très bien, très bien, très très bien. Voilà, ça commence à tourner là. Là, il me faut de l'ingénieur. Ça commence à tourner, ça commence à tourner. Ça commence à être pas mal là. On a mis non 11, ça monte. Ah mais si je la pose ici, ça se relie et je peux détruire cette partie-là. Et que de toute façon, si je peux pas partir droit ici, que je vais pas me remettre droit ici, il me la faut ma pharmacie. Mais j'aimerais bien changer. Ah, ouais. Est en panne lui. Très faible, pourtant il est en excellente il est encore en intégrité. Ah, j'ai un ingénieur, c'est bon. Donc bah, je suis en train de remonter en bioplastique, en acier, en médicaments, en tout. Ah bah je suis en train de remonter, impeccable. Alors il faut quand même penser que j'ai qu'une mine. Alors attendez, elles exploitées à fond, ils sont combien dedans? Ouais, voilà, ils peuvent être 4-3 je pense dedans. Donc du minerai, ils m'en font. En fait, une mine, il faudrait que j'en mette une par là, quoi. Est-ce qu'il faudrait faire? Ouais, c'est recycler tout ça, en fait. Alors, ça va être compliqué, à mon avis. Recycler tout ça, mais en passant par là. Là, je peux faire. Je peux détruire. C'est à voir. De toute façon, là, je pense qu'on s'approche à la demi-heure de jeu. Je vais sauvegarder la partie avant de partir. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, à plus tard. Ciao, bye bye.